Baena Belenda. De mon amour pe à Belenda au mundi moi. Bakala wanye à Belenda. Dolo kwanginde na belemo. Todi bengande na belemo. De tona nyambele mba na belemo. Omuni mundi mwa bakala e na belemo e. Bien le bonsoir à Cassier. Comment allez-vous? Bien. Bien. Okay. Nous allons faire un magnifique voyage. Le plus beau voyage, c'est forcément le voyage qui nous conduit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est bien beau de payer des billets d'avion pour aller jusqu'au bout du monde, mais le merveilleux et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait à la rencontre de soi-même. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Mais avant de faire un voyage, nous avons besoin de puiser de l'énergie en nous-mêmes. Est-ce que vous savez où est-ce que nous pouvons puiser de l'énergie pour pouvoir faire le magnifique voyage auquel nous allons nous lancer? Monsieur, est-ce que vous savez où est-ce qu'on puise l'énergie? Savez-vous? Dans la respiration. Dans la respiration. Bel essai, mais c'est... Est-ce que Madame en rouge sait où est-ce qu'on puise de l'énergie pour faire un voyage à l'intérieur de soi-même? Un petit test? Peut-être en mangeant des bons chocolats. En mangeant des bons chocolats. Réponse très helvétique, mais... Alors, un dernier test. Comme j'aime bien les femmes, je vais essayer encore avec vous. Mademoiselle F. Est-ce que vous avez une idée d'où on puise l'énergie pour faire ce magnifique voyage, ce voyage extraordinaire à l'intérieur de soi-même? Dans un puits de gaz. Bon, mais la réponse aussi, là, elle est à côté, totalement à côté. Je vais vous dire, c'est très simple. Voilà l'endroit où nous puisons l'énergie. Nous puisons l'énergie au sol. Et donc, nous allons nous nourrir maintenant, tous ensemble, de cette énergie pour faire ce magnifique voyage. Et je vous promets, 3 semaines après, ce soir, elle continuera encore à diffuser en vous. Donc nous allons tous lever, je vous en prie, votre main droite, très haut, très haut, très haut, très haut. Je vais faire un décompte de 3 à 0 et à 0, nous allons toucher le sol et dire tous ensemble en guigna, solo sol, ça veut dire que l'énergie entre en nous. 3, 2, 1, 0, en guigna, solo sol. Et voilà que l'énergie est avec nous, nous allons commencer ce magnifique voyage. Ce petit oiseau qui bat dans votre poitrine et qui vous dit « Écoute-moi, entends-moi, je suis la voix de ton corps, entends-moi. » Mais vous, homme insouciant, vous n'entendez pas cette voix du petit oiseau qui bat tous les jours, tous les matins dans votre poitrine, entre deux battements de votre cœur et qui vous rappelle « Telle est l'histoire de cet homme. De cet homme qui n'entendait pas la voix de cet oiseau qui parlait en lui, la voix de cet oiseau qui lui rappelait que le passé est dans le présent et le présent est dans le passé. La voix qui lui rappelait que la vie doit être vécue dans son corps. La vie doit être vécue en réappropriation de son propre corps. La vie doit être vécue en tant qu'homme libre. Mais il n'entendait pas cette voix. Il ne l'écoutait pas. Et pourtant, tous les matins, tous les soirs, entre deux battements de son cœur, cette voix lui rappelait « Écoute-moi, entends-moi, écoute-moi, entends-moi, je suis la voix de ton corps. » Il y a-t-il une personne parmi vous ici qui écoute tous les matins ou tous les soirs la voix de son corps? Eh oui. Nous sommes des hommes insouciants. Et voici l'histoire de cet homme insouciant.